Hey, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est Clank et nous sommes partis pour la Nibus 34. Enfin, je peux enfin y aller, mais vu le temps. Bah ouais, petit point là. Et après, je m'arrête là, moi. Clank et moi sommes en position et prêts à lancer l'opération étoile filante. Bien reçu, tu peux continuer à avancer. Je vais suivre ta progression d'ici. Ouais, c'est un gros flemmard, quoi. Mes détecteurs signalent la présence d'un prototype de Drake derrière ce sas. Allons jouer Clank, hein. Sois prudent là-bas, Clank. Ouais, voilà pourquoi. Autant dire que Clank n'a que 5 PV. C'est compliqué, hein. Vu que c'est un robot, il n'a pas de gravité. Le retour des énigmes. Et ouais. Je dois y avoir celle-ci, quoi. Qu'est-ce donc cela? Ah oui! C'est un gadget. Ah oui, je crois comment ça va. Ça alors, c'est une puce d'amélioration de robot gadget. Je dois pouvoir reprogrammer ces robots gadgets avec mon amélioration. Comment tu t'en sors, Clank? Je viens de trouver un nouveau gadget. Oh, wow! C'est quoi? Un versagrappin? Non, attends, ce serait pas un de ces nouveaux séparateurs d'ions gravomatiques. Faut partager tes découvertes. Je crois que je vais garder ça pour moi, merci. Mais il y a toujours un prototype dans les environs. Je vais aller le chercher pour toi. Oh, très bien. Oh. Comment je fais? Ah oui, d'accord, comme ça. Non. J'ai pas compris. Un robot passerelle. Je dois faire quoi là? Ah non, il fait ça lui, d'accord. Parfait. Allez voir, magnifique. C'est hyper logique de ce jeu. Sacré casse-tête. Oh, ça a l'air d'aller. On aime trop galérer. Pourquoi dois-je prendre celui-là? Ah oui, voilà pourquoi. Je comprends mieux.
maintenir cette porte là, celle là reste ici, et ensuite je peux faire venir celui là bas d'accord. Voilà, bon, pas très compliqué les casse-têtes hein, encore dans le jeu. J'appelle pas trop ça un casse-tête. Hein. Ah, les voilà. Hello. Ah bah voilà les bottes. C'était pas très compliqué. À toi. J'ai localisé une paire de magnétibots. Ah, je cool. Rejoins ta position maintenant. Wait. Ah d'accord. Étant projectif pour porter des magnétibots, Clank les restitue à Ratchet. Ratchet, où en es-tu dans l'opération Étoile filante? On a été un peu retardé même. C'est bon. Et voilà. Ok, go maintenant, on peut y aller. Le crocheteur pourrait peut-être nous aider. Non, sans blague. Ah. Ah, mais ça fait bouger ça! J'avais pas compris depuis le début. Voilà. À tous les chercheurs, c'est le président Drake qui vous parle. Je tenais à vous remercier pour tous les efforts que vous avez fournis ces derniers mois. Je suis peut-être votre chef, mais je ne ferai rien sans vous tous. Travailleurs dévoués qui œuvrez dans ces locaux. Grâce aux armes que vous créez, vous allez contribuer à nous propulser vers une ère nouvelle qui verra l'avènement de notre peuple. Je suis sûr qu'on n'a pas besoin de boulons. La monnaie, c'est la douleur. Je vais... Toutes les unités, rendez-vous au poste de recherche numéro 5. Les créatures sont dans le système de... Il est KO. On vient de me signaler qu'un intrus serait parvenu à pénétrer dans nos locaux. Et si jamais vous tombez sur une créature qui n'est pas un Blark, surtout, n'hésitez pas à la neutraliser par tous les moyens. Alors, c'est quoi ça? Cool. Bon. Ah, attendez, j'en ai 6, je vais regarder. J'en ai 6, attendez. Pas les... Ah non, pas les... Je pourrais la compléter. T'as une série complète. Cool. Débloque la version Omega du vieux bon à acheter en mode défi. D'accord, faut faire ça pour les avoir en mode défi après. Oups. Ah non, j'ai pas voulu tirer. Je sais même pas si ça fait des dégâts ça. Oula. C'est quoi que je vais là? What? C'est quoi ça là? Gros bordel. Aïe. C'est quoi ces trucs? Il semblerait que le président Drake ait créé sa propre armée. Module d'essai désactivé. Ouais, je vois. Je me permets
permet de vous rappeler que les projets aussi et l'expérience menu. Encore une carte, putain, on fait que ça. Ah, les boulons, c'est que de plus en moins. Exclusive de Drake Industries. Toutefois, je suis ouvert aux suggestions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma politique, n'hésitez pas à exprimer votre mécontentement auprès d'un de nos robots de guerre armés jusqu'aux dents qui patrouillent dans l'entrée pour votre sécurité. Donc, 4, putain. C'est que de la mi-oré. Ouais. Les centrales se sont échappées. Sauf qui peut, on va surtout moi. Capitaine, à vous. Je dirais que Drake a fait des expériences sur les créatures. Ce ne sont pas quelques insectes qui vont faire peur au Capitaine Quark. À moins qu'il ne s'agisse d'araignées. Je sens des araignées. Ah, je ne serai jamais bien dans ce lit. Je veux dire, à ce poste de contrôle, d'où je suis. Première collection, duale. Non, deuxième. Non. Putain, je peux même pas avancer là. Bon, on va arrêter le connerie là. Bon, allez. J'ai très cher cela. J'ai appris récemment que certains d'entre vous avaient pénétré dans la zone interdite afin de nourrir le sujet Echo 857B en cachet. Laissez-moi vous rappeler qu'Echo 857B n'est pas un animal sauvage et que si on vous surprend à le nourrir, vous finirez dans sa gamelle. Mmh. Ouais, genre il m'a fait tomber lui. Genre il m'a donné un coup quoi. La violence. Aïe. Aïe là. Ah, je peux pas l'avoir, c'est bizarre. Parfait. Je suis trop fort avec ces lui. Je fais que de l'améliorer depuis tout à l'heure. Oui, il a bugué le truc. Bon. Ouh là là. Parfait. Facile. Ça sent le boss. Ah là, ça sent le boss. Votre attention, la truie. Vous venez de pénétrer dans une zone de test du monstre Blark. Le président Alonso vous remercie pour votre service. Ah, mais capitaine,
Vous saviez que le projet secret de Drake était un monstre blargue ? Hein ? Vraiment ? Je me demande pourquoi ça n'était dans aucun de mes rapports. Je m'attendais à quelque chose de bien moins mortel. Ah, ne t'inquiète pas, respire et... souviens-toi de ce que je t'ai appris. Qu'est-ce que vous m'avez appris ? Capitaine ? Boss. Oh non. Oh oui. Enfin boss, putain. Allez mon gars. What? Quoi? Attendez. La préférence va peut-être faire ceci. Merde. Ok, c'est bon. Merci. Ah. D'accord. Regarde. Coulé. Ah. Ah, une nouvelle carte. Bon, qu'on a déjà, bien sûr. Et ça dégage. Oups. Et hop là. Monsieur Recon l'a tué. Sur le plan de Drake. Merci. Voilà ce qu'il a dit. Je vous donne cette info, robot. Surveille celui-là, tu veux? Je vais faire une petite pause. Bonjour, bande de stupides blargues. Si vous regardez cette info, robot, c'est que vous avez été sélectionné pour tester ma toute dernière invention. Le Jetpack X480. Bien que nous ayons eu quelques problèmes lors des premiers tests, je suis heureux de vous annoncer que tout est réglé désormais. Vous pouvez maintenant traverser le ciel avec votre jetpack XK-80, ce qui vous donnera un avantage certain sur ce crétin cloué au sol. Le jetpack XK-80. Procurez-vous votre exemplaire dans notre base sur Gaspar. Le docteur Nefarious décline toute responsabilité en cas de mort, démembrement ou lésion du système nerveux central. Capitaine, ici Ratchet. On a éliminé le monstre Blargue et on a découvert ce que mijotait Drake. De quoi? Mais c'est un peu... sionnant. Les nanotechs. Et pourquoi pas une petite siège aussi longue? Encore des cartes? Putain, mais on fait que ça! D'accord.
Ça va, ça. Je suis sûr que les Rangers auraient besoin de jetpack. Et si on allait sur Gaspard pour en récupérer? Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Si tu arrives à en ramener un, Elaris pourra en fabriquer pour les Rangers. Je te confie la mission pas du tout mortelle de récupérer un jetpack. Le capitaine Quark volera bientôt comme un oiseau. N'importe quoi. Bon, ben nous voilà de retour au vaisseau avec encore Monsieur Zircon, il est partout lui. Bon, améliorons ça tout de suite. Dis, on peut bien sûr. Non, je pouvais pas améliorer. C'était le combustible que je peux améliorer, je crois. Et voilà. Parfait. Ça me prend le niveau de cette arme. Parfait, bon, je pense que je m'étais là pour aujourd'hui, hein. Hein, je pense, hein. Mais dans le vaisseau, déjà pour ça. Où est-ce voilà, qu'on va? On doit découvrir ce que Nefarious mijote sur la planète Gaspard. Voyons si on peut trouver bon, du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. À plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye.